Je m'appelle Alison McLean, je suis la documentaliste médicale au Centre hospitalier Bretagne-Atlantique depuis 2015. Alors, mon métier de documentaliste médicale ici à Vannes consiste à fournir tous les écrits scientifiques nécessaires aux pratiques des médecins et des internes. Il y a beaucoup d'aspects à mon métier. Déjà, bien sûr, la diffusion des informations médicales, la gestion des abonnements, des revues, la gestion du budget, des projets informatiques. Et également, il y a un très grand pont pédagogique, puisque je donne des cours de recherche documentaire trois fois chaque semestre pour les internes. L'objectif est de rendre tout le monde autonome dans la recherche documentaire. Une autre partie de mon travail, c'est d'avoir un contact régulier, bien sûr, avec chaque service. Il se peut que je me déplace aussi. Je fais beaucoup de traductions et de relectures pour les publications des médecins en anglais. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est, je pense avant tout, c'est la stimulation intellectuelle, puisque en cherchant des informations, en étudiant les sujets qui me sont demandés, on est quand même en contact avec les derniers développements qui se font en médecine. Donc on reste très à jour avec les progrès scientifiques. Donc ça, c'est très intéressant. Mes raisons sont un peu personnelles, mais je veux bien vous en parler. C'est que j'étais en libéral pendant 20 ans et il est arrivé, comme souvent ça arrive dans la vie, que j'avais besoin des soins pendant une période longue à l'hôpital de Vannes. Et quand je suis revenue en tant que patiente, je me suis dit, ben non, il faudrait que je revienne à porter aussi ma pierre à l'édifice, à l'hôpital public, et je ne regrette absolument pas, c'était plutôt l'appel du collectif. Je dirais qu'il faudrait un sens de l'organisation et il faudrait un sens de priorité aussi, puisqu'il y a des demandes qui arrivent sans cesse et il faut bien comprendre quelles sont les plus urgentes.